Je suis plus belle que tes deux filles mélangées, bordel. Deux métisses, bordel, on passe le temps à les baiser partout. Dans toutes les rues de la France, on les couille, on les touche pour coucher, elles se marient quand. Elisabeth, tes deux bordels de filles, tu traînes une ta petite fille Namgwen. Tu traînes un Namgwen dans les soirées de 22h à 9h du matin. Grand-mère indigne. Mon Hey. Montre ton corps, non? Elisabeth, présente ton voix. Il a hernie. On t'a dit que les bassins ont les problèmes de hernie. On t'a dit que les bassins ont les problèmes de hernie. Même une banson là, ça tient bien. Le derrière, j'ai l'anus. C'est bien là. Les fesses, j'ai. Le devant, j'ai. Regarde-moi une femme qui est du comme le mango aussi. Ça vient par là, ma voix. J'ai dit que 7 mariages, 8 d'autres bandingues. Qui t'a doté? Qui peut te doter? J'enjoy ma life au Maroc. Tu as mal. Je vais encore bien enjoyer ma life que tu aies encore bien mal. Regarde-moi cette pauvre laisse. Je m'en vais récupérer mes vêtements. Pauvrade. Tu as mis ton mari où? Pendant que les vraies veuves sont en train de pleurer, ma mère pleurait son mari songé. Une fausse veuve qui a tué son mari, l'héritage est le HLM. Voilà l'héritage d'une femme. Monsieur Songa, moi, il a laissé l'héritage à ses enfants. Hein. Ce qui me permet de vivre ici au Maroc sans toute femme me taper la tête à gauche, à droite. Ma mère morte, elle a laissé l'héritage de son mari à ses enfants. Toi, tu vas mourir, tu vas laisser quel héritage? Même l'ampoule bleue t'a dépassé à voir. Tu viens parler à Gomabo, à chienne, poufiasse, pourriture, poubelle. Je suis venu manger chez toi, j'ai faim. Je suis venu demander à manger chez toi, chienne. Je mange là, il y a les asticots, imbécile. Tu vas bien regarder. Je ne porte pas la robe, je ne suis pas encore transgenre. Je ne suis pas encore au stade de porter la robe. Cette chienne-là. Enjoy my life. Montre les pieds, ma. Tu dis que tes filles sont métisses, non? Montre les pieds, ma. Regarde, Bengue. Regarde mes pieds, Elie. Elisabeth, regarde mes pieds. Montre ta part. Rien que la babouche que je porte, ça te paye le nœud papa pendant un mois. Rien que ma babouche, 44. Hein? Rien que ma babouche, ça te paye le nœud pas. Pendant 3 mois en beng. La babouche, ça te paye le nœud pas. 3 mois en beng, idiote. Pétasse. Tu parles à qui? Tu sais que ça me pute, viens ici. C'est tout le monde. Maintenant, il y a pute et pute. Hein? Mes gars s'occupent bien de moi, imbécile. On t'a dit que j'ai raté ma vie comme toi. Mes choses s'occupent bien de moi. Imbécile, pétasse. Attends. Avant de traiter, Wona. You know me. Salam, Koya. Salam. Rond-point Kibivat. Rond-point Kibivat. Chaudro. Michel. Elisabeth. C'est moi ton mari qui te parle. Ma mère morte. Épouse Songhe. Monsieur Songhe lui a laissé des activités à faire tourner. Ma mère a été heureuse du veuvage jusqu'à le dernier jour de sa vie sur cette terre. Voilà ce qu'on appelle vraie veuve. Tu as tué ton mari avec l'oreiller. Et c'est ça qui vient parler aux gens sur les réseaux sociaux. Juste qu'on dit que non, il ne faut pas la reprendre, il faut la laisser. Ne te laisse pas, Elisabeth. Je vais te ramener porter ma robe. Elie, tu vas route. Regarde-moi, c'est les marches à pied. Regarde, je suis au Maroc, je prends le taxi pour juste aller récupérer mes vêtements. Juste pour récupérer. Parce que j'ai pas le temps. Quand on est une belle femme, oui. Quand on est une belle femme comme moi, tu vois un peu Elisabeth, on peut se permettre de vivre quand même, de tirer sur la corde de son gars. J'ai fait 7 mariages, 8 d'autres. Elisabeth, la bordel de fille, Laetitia, à combien de mariages? Enfant bâtard. Ma petite soeur, Tanaël, elle va se marier bientôt.
Bientôt, Canaël sera... Tu vas entendre le mariage de Canaël bientôt. Parce que chez nous, on nous inculque l'éducation. Grand frère Bertrand, je suis mon cadeau d'anniversaire de joyeux Noël ou non. Ouais, mon cadeau, Elisabeth m'a déjà trop cité. Elisabeth. Jusqu'à... Elle vient mentir que... Bonjour, tata. Elle vient mentir que c'est moi qui a fait connaître... Que c'est moi, j'étais fait connaître sur les réseaux sociaux, l'abbé Samé, toi. Mais tout le monde a vu mes débuts ici sur Facebook, non? Vous avez vu mes débuts ici sur Facebook? Malgré que ma tante est la chancelière de la team, la TKC, même ma tante m'a pas donné la visibilité, je me suis imposé dans un domaine bien précis. Et quand le domaine a changé de cap, j'ai déposé les armes, j'ai dit je reviens aux prochaines élections en 2025, suivre mon activisme. De quelle visibilité tu parles? Ta visibilité négative, là, toi tu peux donner la visibilité à quelqu'un? Une visibilité négative. Voilà mon grand frère Bertrand Chixomon qui est là. Même moi, je ne peux pas prétendre dire que je lui ai donné une visibilité quelconque. Non. Il se fait son chemin tout seul. Chien, tu peux donner la visibilité à qui? Poubelle, parce qu'on te regarde. Je dis que la dernière... Oh, comme elle a tué son mari. Hein? Dégrément, meurt. Meurt. Dégrément. Elle a appuyé la tête. Elle a pué la tête de Dégrément. Dégrément est mort. Elle dit qu'elle vient clasher. Tu peux clasher. Elisa, les dames là sont où? Les dames sont à quel niveau? Le aîné que tu as mis ici à quel niveau? Chienne. Poufias. Je vais te laver matin, midi, soir. Tu fais un direct, je fais deux. Tu fais trois, il fait quatre. On va égaliser. Je vais t'égaliser sur tous les fronts. Imbécile, merde, bordel. Enfant bordel, petits enfants, tu as été initié dans la bordellerie, tu l'amènes dans les soirées de 22h à 5h du matin, tu viens parler aux gens, mais indigne, grand-mère ratée. Tu as vu Maléba qui part dans les soirées, tu as déjà vu ma tante amener Gabou dans ces soirées. Tu as déjà vu ma tante amener Gabou dans ces soirées. Tu peux venir me parler parce qu'on me dit que non, il faut la laisser. Elle n'est jamais dépressive. Elle sait ce qu'elle fait, c'est une sorcière, elle a raté sa vie. Bordel. Ma mère, Madame Songé, épouse Songé David, a travaillé pour ses enfants. Avec son mari, dont ses enfants peuvent se permettre de vivre dans n'importe quel pays et avoir un toit sur leurs épaules. Ils peuvent se le permettre, contrairement à toi que ta mère n'a pas pu travailler pour toi. Mes grands-parents ont travaillé pour leurs enfants. Mon grand-père était cadre à Chanas. Ensuite, actionnaire à Chanas Assurance. Toi, ton grand-père était quoi, Elisabeth? Dégrément, dégrépute, Bolingo. Bolingo, dégrépute, tes grands-parents étaient quoi? Moi, mon grand-père était cadre à Chanas. Mon grand-père paternel, il a travaillé à Cambrai. Il est décédé très jeune, très tôt. Il a travaillé à Cambrai comme chevronnier. Il est décédé très jeune, très tôt. C'est mon grand-père maternel qui a pris le flambeau, qui a fait l'éducation de mon père. Il a travaillé à Chanas Assurance comme secrétaire. Il a pris sa retraite. Il a payé les actions à Chanas. Il est actionnaire principal à Chanas Assurance. Imbécile, tu peux venir parler à qui? Tes parents ont investi dans ta vie. Mon père a travaillé à la BISEC, à la BISEC. Il était cadre à la BISEC. Il a pris sa retraite, il a ouvert une entreprise au Cameroun. Il a équipé ses enfants, contrairement au tien. Donc, je ne sais pas que le rôle d'un parent, c'est de léguer un héritage à ses enfants. Tu vas léguer quoi à tes enfants? Moi, je suis stérile. Moi, je suis stérile. Je n'ai rien à léguer. Toi, tu vas léguer quel héritage à tes deux bordels de filles? Coucou, maman Marthe. Tes deux bordels de filles là qui se baladent partout en train de porter les grossesses indésirables. Les grossesses indésirables. Je suis né dans un foyer, dans un mariage légal devant Dieu et devant les hommes. On a doté, on a épousé ma mère. On t'a épousé où? Le seul blanc qui t'a épousé, ça va le Toba. Si tu as fini, tu l'as tué. Tu viens parler à qui? Tu peux venir parler à qui, Elisabeth? Tu peux venir parler à qui? Toutes mes tantes sont parties en mariage. Elles ont épousé, elles sont assises dans leur foyer. Tu es la dernière, je veux, il faut la voir qu'elle met sa bouche. Gnoc, 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 Ngosa. Gnoc, gnoc, gnoc. Ngosa te dépasse aller et retour. Son mari vient encore, il n'a pas tué son ex-mari. Idiote. Pauvre conne. Rejeté de la nature. Ça fait baraka, baba. Non. Ah, baraka. Sol. Douce. Ça vient insister, ça vient s'insister avec. Je vais te traiter, attends. Allez. Ah.
Ça vient se chamer. Tu as fait le diable sans arriver où Elisabeth. Regarde mes pieds. Ah. Mmh. Ah. Shukran. Oui. Shukran Baba. Yeah. Hein? Tout le monde connaît ma mère. Ma mère était une belle femme. Voilà pourquoi ses enfants sont beaux, bien bâtis. Elisabeth, tes filles qui ont les pieds penchés avec les yeux qui tournent dans l'orbite. Tu appelles aussi ça qu'enfant. C'est des mollusques. Tes enfants là, c'est des souris, c'est des enfants aliénés. Un enfant bâtard, tu te marches avec partout à Suresnes comme si c'était un trophée, un ballon d'or FIFA. Idiote. Aucune de mes grandes sœurs n'a ramené les enfants indésirables à ma mère. Saleté. Va planter les gerbes de fleurs devant la tombe de ton mari. C'est ce que ma mère savait faire. Tu entends, hein? Tu entends avec quoi, Elisabeth? Dégrément, conne. Va planter les gerbes de fleurs devant la tombe de ton mari. Veuve droguée. Je dis que rien que ma babouche, ça te paye la drogue pendant au moins ces 3 jours à Suresnes. Rien que la babouche que j'ai au pied. Imbécile. Je dis que droguée de Suresnes, rien que ma babouche. Seulement la babouche que j'ai au pied, ça te paye la drogue. La drogue que tu prends, la drogue, voilà ta drogue ici, là. 3 jours de drogue bien dosée. Rien que la babouche. 3 jours de dose de drogue bien dosée, idiote. Tu vas fumer le mbanga, ça va te sortir par le clitoris. Tu viens parler à qui? Saleté, je t'ai laissé, tu pensais que j'avais peur de toi. Tu peux me faire peur. Tu peux me faire reculer, tu as capacité. Tu m'as envoyé les yangs pour venir te taper. Tu as d'abord même l'argent pour payer le mbanga. Une femme qui rallonge la cocaïne avec le lait, elle vient parler en ma boy, idiote. On t'a dit que fume la drogue comme toi, drogué. Avec la maison pleine d'asticots. Les asticots partout, masticots. Drogués. Voilà. C'est pas bon. C'est pas beau de tous. Le vent, on dirait même que là il va pleuvoir. Une saleté comme ça là, qui passe son temps à déranger les gens sur Facebook, on la laisse. Elle se dit que comment on la laisse, c'est parce qu'on a peur d'elle. Ah, il y a beaucoup de ressources là qu'il faut payer. Sale drogué. Qui a peur de toi? Qui a peur de toi, Elisabeth? Moi. Ah, c'est mal. C'est mal me connaître. Drogué. Elle vient mentir que j'étais allé à l'hôpital. On m'a opéré. On peut t'opérer. On peut t'opérer. Tu peux entrer dans un VIA. Dis aux gens pourquoi tu as peur de l'opération. Le jour où tu te fais opérer, tu meurs. Tu sais pourquoi? Dis à tes followers, je vais vous donner le secret pourquoi est-ce qu'elle a peur d'aller se faire opérer. Dis à tes followers, tu peux aller te faire opérer. Raconte à tes followers que le jour où tu vas te faire opérer, tu meurs. Tu sais pourquoi? Et ce que je vous dis, ce n'est pas un mensonge. Elle a peur de l'opération. Elle a peur de l'opération. Elle ne peut pas aller se faire opérer. Quel âge il s'est fait opérer, non? Mais ça, tout le monde est passé au BIA, sauf elle.
tu as une maladie qui exige que tu partes te faire opérer. Tu as peur parce que le cadavre de ton mari, l'esprit de ton mari est en train de planer au-dessus de ta tête. Une femme qui est laide comme le totem de Koh-Lanta, jalouse, aigrie, malfaisante, saleté, mère de poubelle, pourriture, laide en tout, avec son corps dur. Une femme qu'on a rapatriée de la canne, tout ce qu'elle touche, c'est la honte et la poisse qu'elle ramène, poisseuse. Dernière de ta génération, mes parents ont investi pour nous. Les tiens ont fait quoi? Elisabeth, les miens ont investi pour nous. Les tiens, ils ont fait quoi? Obligé d'aller taper les parpaings dans un village rocailleux de Sangmélima. Tu es de Sangmélima? Je fais attention. Quelle attention? Parce que vous allez me faire quoi? Parce que vous allez me faire quoi? Dans un village rocailleux de Sangmélima, ça vient parler aux gens sur les réseaux sociaux. On construit au village. Va payer le terrain au cadastre, on voit. On paye le terrain au village, Elisabeth. Droguée de sirène. Malhonnête. Ingrate, vampire, tout ce qu'il y a de mauvais sur la terre te ressemble. Idiote, même dans la bordellerie, tu n'as plus rien à voir comme patrimoine. Tu pars te marier, le mariage est où? C'est à quel niveau? Ton mariage est à quel niveau, Elisabeth? Tu es parti prendre un enfant bâtard qu'on appelle Dieu donné, ça pourrit, ça croit grûler tes orifices. Ton enfant Dieu donné est où? Viens me dire là où tu as mis Dieu donné. Tu as mangé l'enfant dans la sorcellerie parce que tu as le toc dans le ventre. Tu viens parler aux gens. Tu peux venir parler, Elisabeth. Tu as mis Dieu donné où, Elisabeth? Dieu donné où? Tu as mangé Dieu donné dans la sorcellerie. Tu viens mentir. Une femme, pendant qu'elle est enceinte, elle clash les gens sur Facebook. Après son clash, elle part barrer. Elle a donné le Pontiac. Elle a commencé à faire les fuites urinaires partout jusqu'à présent. Une femme qui ne connaît pas que quand elle est déjà mouillée. Elisabeth, chienne, idiote, attends-moi, idiote. Elisabeth, tu sais pas qu'une femme, quand elle est déjà mouillée, elle fait comme ça là. Elisabeth, elle fait comme ça, elle enlève, elle change la garniture. Tu ne connais pas changer la garniture, Elisabeth. Tu vas faire comme ça là, tu vas enlever comme ça là. Que tchak. La garniture, mais où? Où est sa garniture, imbécile? On dit qu'on est la clash, mais te clash, tu vas faire comme mof. Va te suicider si tu veux, imbécile, chienne. Mais te clash, toi, que tu es qui? Tu es quoi? Une femme fait comme ça là, quand elle a la garniture. Quand la garniture est pleine, Elisa, quand la garniture est pleine, la femme fait comme ça, elle enlève, elle plie. Elle paye, dépose, elle jette, idiote. Tu vas apprendre à lever la garniture. Quand on doit aussi t'apprendre ça. Elisabeth, on doit aussi t'apprendre à lever la garniture. Emma, ma, enlève la garniture. Enlève la garniture. On doit aussi t'apprendre à lever la garniture. Ça vient par là, ça vient chamer. Ça vient clasher, laver sa mère. Saleté, merde. Tu es là, tu t'assois sur le canapé en train d'insulter ma tante et le saignement t'arrête. Tu ne sais pas enlever la garniture, tu es clashé un enfant 1m88 au pied arqué. Tu penses que tu veux déstabiliser? Mets la garniture. Mets la garniture. Tu connais payer la garniture, Vanna? Tu connais payer la garniture, Vanna? Mets la garniture, Elisabeth. Va mettre la garniture. Mets-moi la garniture. Tu fermes les cuisses comme ça, tu mets la garniture. Dès que c'est plein, tu enlèves, tu vas jeter. Idiote. Pauvre chienne. On a peur de toi. On a peur de toi que you be ouf. Check it. Je t'ai promis le bavardage. Hein? Je vous ai promis le bavardage. N'gola pas, prépare-toi. J'ai filé avec Elisabeth, je tombe sur toi comme le grenier. Tu as dit que j'ai la hernie, non? Que j'ai la hernie fiscale. Donc ma tante Maléba est là. Son Eva, la hernie fiscale, elle n'est pas au courant. Donc vous connaissez ma vie jusqu'à où? Ciao. Que non, il a eu la hernie fiscale. Il a eu la... Moi, j'ai la hernie fiscale. J'ai le mangalais. Hein. Je ne l'ai pas encore opéré. Hein. Je n'ai pas enlevé le sort que j'ai en bas de ce jogging-là. Je te montre le mangalais. J'ai un gros mangalais et bien long. Un gros mangalais bien long. Mof.
à fantasmer sur la tombe de ton mari, idiote, perdu de la nature, dernière de ta génération, pauvre sombre idiote. Montre les pieds. Elisabeth, regarde mes pieds. Montre-nous tes pieds. T'as dit que ma babouche, ça te paye le mbanga. La babouche, si te paye le mbanga. Pendant 3 jours, si règne. Rien que la babouche, si tu fumes le mbanga 3 jours, ça te met à l'aise. Drogué. Drogué. Une femme veut manger, elle est folle. Il faut la monter, elle est apprentie folle. Change la garniture. Quand on prend un paquet de garniture, Elisabeth, quand on prend un paquet de garniture qui est comme ça là, Elisabeth, on prend comme ça, on met là. On prend comme ça, on met là. De temps en temps, quand tu sens bien que ça fait un peu comme si c'est mouillé, tu as froid au niveau des fesses, tu prends comme ça là. Tchac, tu enlèves, tu fais comme ça là, tchac, tu enlèves, tu plies, tu pars, tu mets dans la poubelle, saleté, saleté. Tu as dit qu'on a coupé un vitéris, tu peux aller te faire opérer, tu as peur de l'opération. Ça va mon père? Ça va. Ça va bien? Ça va la famille? Super. Rappelez-moi, je vais me faire si ça la voit comme maman le député. Ouais, dis-la. Ouais, mais il y a tellement de choses, Inch'Allah. Mais il y a tellement de choses, Inch'Allah. Maman le député. Au lieu de remettre au fond, mon frère. Mon confiance, pas exactement, Inch'Allah. T'as pas déjà? Bah, pas exactement, Inch'Allah. C'est mon frère. Il m'a mis tellement de choses, Inch'Allah. Maman le député. Merci, Baba. Maman est à l'hôpital. Baba. Baba. Baba, je suis maman. Il m'a mis tellement de choses, Inch'Allah. Il y a tellement. Moi-même, tu vois, voilà mes mamans ici qui sont là sur Facebook. Maman, elles m'ont pas envoyé l'argent. Maman, qui kiffe. Elles m'ont pas envoyé. Bon, on va chez ma maman là-bas, on va voir ce qu'elle a. Elle va aussi te donner. Non, non, ça va, ça va. Viens, viens, attends. Moi, la mise au face, c'est la possibilité, mon frère. Moi, pas c'est là. Moi, la mise au face, c'est la gare. Mamie, voilà un frère qui a des problèmes. Sa maman est à l'eau. Papa, c'est Baba. Maman, le malade, l'hôpital. Moi, dis-moi, je l'ai mis en face. Mille dirhams. Mille dirhams. Mille dirhams. Mille dirhams. Ah bah, Koya. Moi, attends-moi. Trop fort, lui dormir. C'est bien là, mon frère. Ma confiance, parce que c'est une chaîne. Non, mille dirhams, c'est beaucoup. Moi, c'est bien là. C'est un peu là. Ah. Moi, muslim, pas exagnition. Pas exagnition, mon frère. Oui, bon, on va laisser ma maman. Si elle a quelque chose, je vais lui demander de te donner. Merci, Baba. De rien, merci. Merci. Désolé, mon frère. De rien. Bon, attendez, je vais. Non. C'est ça, c'est son papa qui est malade, son papa à l'hôpital. Il a besoin de 1000 dirhams. Voilà. Et moi, j'ai pas assez sur moi, en fait. Sinon, j'allais le lui donner. Ce que j'avais, je lui ai donné, mais c'est pas assez. Et quand tu le vois, même, il n'est pas bien. Donc, je vais demander à une de mes mamans, si elle a, je vais prendre, je vais lui donner, je vais rembourser après. Chauve, mon frère. Ouais, c'est pas... Ça va aller, ça va c'est aller. Ouais, il est même en train de pleurer. Je vois. Alhamdoulilah. Ah. Alhamdoulilah. Maman, kiff. Ah. Elle est en train de me couper dans mon élan. Non, il ne veut pas faire. C'est pas ça. C'est pas ça. Quelqu'un qui est en train de pleurer quand même. Il ne faut pas souvent être dû de cœur comme ça là. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas ça, c'est pas ça. C'est pas
pas ça, il y a pas, c'est pas ça. Son papa est à l'hôpital. Mon maman est à l'hôpital. Sa maman est à l'hôpital. Moi, là, mes enfants, c'est là. Voilà. Et vous pensez que si c'est... On vous a dit que les Marocains jouent avec leur maman. Vous parlez même de quoi, là? En tout cas, on se relance tout à l'heure. Si je l'avais là, j'allais lui donner, mais je n'ai pas la place, sinon. Mais... tout à l'heure, bisous à vous et puis on se recapte. Meilleur vœu à toi aussi, grâce à Chicotte. Bisous.